Good morgen, Aleiden, l'étude aujourd'hui, le Lunishmat, Avraham, Chayin, Orber, Ben Fortuné, Mazal, Chaya, Bat, Tova, Rachamim, Ben Rosa, et Moshe, Ben Yaakov, Tarab. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Vav, Mishnah Dalet, Chotmo, Shenikav, Shenifgam, Shenisdak, Sfato, Shenikva, Shenifgema, Shenisdeka, Chitav, Achitsonot, Shenifgemu, O, Shenigmemu, והפנימיות שנעקרו. רבי חנינה בן אנטיגדוס אומר, אין בודקין מן המתאימות ולפנים, אף לא את המתאימות. לפרק ו' פרל דה דפו, כי דה דפו כי המבליד לבחור הוא תו קורבן, אופן פרונטס או למזבח, לתרוע נסיסט, תוז'ור כנתוי ללב דו ויקרא, ותוז'ור למחיה, זכר תמים יקירבנו, תמים, פוקי סוואה, אונטייה, פרפה, קומפלט, qu'il n'y ait pas de défaut, pas de lacune, pas de membre défectueux, avec une très haute précision. Quand on a appris Mishnah Aleph, défaut des oreilles, Mishnah Bet et Gimel, ça parlait des défauts des yeux, si c'était parce qu'il va y avoir une entaille, il va y avoir un petit manque, un bout de peau arraché. Tout ça, c'est des choses qui invalident le korban. Donc on a parlé Mishnah Aleph des oreilles, Mishnah Bet Gimel des yeux. Maintenant, on continue à descendre sur le visage. On va parler cette fois-ci du nez, du museau, enfin je sais pas si c'est dit un nez chez le mouton plutôt, mouton et vache, et de, on va parler de la, des lèvres et des dents, avec toujours le même principe. Chotmo, donc le nez, chotem c'est le nez, chenikav qui a été perforé, chenivgam qui a été endommagé, qui a été manquant, qui a été un petit bout arraché, au point, toujours avec le même principe, chakekede chagirat siporen, on prend longue et on le passe. On remarque s'il y a quelque chose qui... On regarde qu'il y a ça rentre en profondeur. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été... Un bout de peau qui a été arraché, qui ne se renouvelle pas. Et puisque ça ne se renouvelle pas, ça s'appelle un moum kavua, un moum fixe. Dans ce cas-là, le mouton n'est plus apte à monter sur le misber. Idem encore avec Nisdak, c'est qu'il a été fendu. Le divertissement rapporte qu'en fait, c'est l'ozu afzu. Non seulement ça, mais même ça. C'est-à-dire, ça implique tout d'abord qu'il y a eu un vrai trou. Et même s'il n'y a pas eu un trou, que ça n'a pas été perforé d'un côté à l'autre, mais que ça a été un petit bout manquant. Et même s'il n'y a pas eu de bout manquant, il n'y a rien qui manque, ça a juste été fêlé, mais de manière où ça a été déchiré, de manière à ce que ça ne va plus se refermer, eh bien ça s'appelle un bout. Voilà pour le nez. On ne parle que des parois extérieures du nez, mais pas des parois internes qui relient les deux narines. D'accord? Là, ça ne s'est plus invalidé. Ça, on apprend, c'est important à savoir, ça va même être utilisé ensuite pour expliquer quelques règles des dents, c'est que tous les défauts qui invalident, c'est que quelque chose qui extérieurement est remarquable. Donc quand on a un trou dans le nez, on le remarque. Mais s'il y a un trou dans les deux parois, ça ne se remarque plus que sauf si on va mettre son nez dans le nez. Même si on va partir regarder profondément dans le nez, on va le voir. Mais extérieurement, ça ne se voit pas, donc ce n'est pas un défaut. C'est déduit ça de Psukim, le clal, le protoclal. C'est une déduction qui est faite dans la Gemara. D'accord ? Donc on a parlé maintenant des parois du nez externe. Et on parle aussi maintenant sfato, sa lèvre. Même principe, chez Nigva, chez Nivgema, chez Nisdeka, qui a eu un trou dans la lèvre. C'est devenu à la mode de faire des piercings dans les lèvres. Eh bien, celui qui fait ça au mouton, eh bien, ça y est, il est invalidé, parce qu'il y a eu un trou. Mais même mieux que ça, même s'il n'y a pas eu un trou, il y a juste un petit bout chez Nivgam, que ça a été endommagé, que ça a été manquant, qui a eu un petit bout qui a été arraché. Ou même si ça n'a pas été, il n'y a rien de manquant, mais que ça a été tout simplement fêlé. Nisdak, qui a eu une entaille. Qui ne va plus se refermer, du coup ça va toujours rester deux morceaux qui vont plus se refermer, qui vont plus se recoller. On va parler à présent des dents. Chitav achitsonot. Chitav, alors on ne parle pas de blé, mais on parle plutôt de dents. D'accord? Cette fois-ci c'est comme ça que c'est expliqué, même si dans la Gemara en Choline on parle des fois de chitim, on parle des glandes qui sont dans la gorge, mais là cette fois-ci on parle de chitav, le partenariat explique. Chitav achitsonot, achinaim shebehem tsaape, les dents qui sont au milieu des dents. Si ça vous intéresse, dentition des animaux cachers, et d'accord, pour les bœufs, pour les moutons et pour les chèvres, ils ont que des incisives en bas et des molaires, ils n'ont pas des incisives en haut. Avec les incisives du bas, ils ramassent l'herbe, qu'ils avalent très vite, et après, qu'ils avalent directement sans mâcher, et puis après, lorsqu'ils vont ruminer, alors ça va remonter, ça va être Malégara, c'est la partie de la semaine dernière. Malégara, ça va faire remonter des petites boulettes
d'herbes qui vont à présent mâcher avec leurs mâchoires. Ils ont des mâchoires, il y a un très grand écart, et puis on se retrouve ensuite avec des incisives, je crois que ça varie de 4 à 8, ça dépend de l'âge du bouton, ça dépend, il y a plusieurs paramètres. Regardez sur Wikipédia, vous aurez plus d'informations. D'accord ? En tout cas, les dents, ça se passe comme ça. Donc on a dit qu'il y a les dents externes, après on a un grand espace, vide, et on se retrouve après avec des prémolaires et molaires. Dentition de du mouton, des animaux en général, quoi, des animaux ruminants cachers. Alors, ils ont la particularité que, donc ils ont des molaires et des prémolaires. Dans les prémolaires, il y a en plein milieu des dents qui s'appellent des mathimotes, des jumelles. En fait, parce que c'est une dent, j'ai fait une petite recherche, je suis tombé sur un site qui m'a montré la forme, c'est en fait une dent, on a l'impression qu'il y en a deux, mais en fait c'est une seule. C'est une seule qui est, comme ce qu'on a, nous-mêmes les molaires, on remarque que les molaires, déjà, elles ont une tendance à être un peu plus, comment dire, un peu plus formées, elles ont des formes un petit peu originales comme ça. Eh bien là, il y a chez les moutons, ou chez les vaches plutôt, je ne sais pas si c'est partout, ce que j'ai vu, c'est sur les vaches, on va se retrouver avec deux moutons, on a l'impression que c'est deux dents, en fait c'est une seule dent, qui est reliée avec une seule racine. Concrètement maintenant, pour ce qui nous intéresse, c'est que on va faire une différence entre les dents externes et les dents internes, sur les incisives ou sur les prémolaires et molaires. Étant donné que les dents, les incisives, on les voit tout de suite, donc on va être beaucoup plus marmire. Dès qu'elles vont être même entaillées, on va prendre deux définitions exactes, mais dès qu'elles vont prendre un coup, ça va être invalidé. Tandis que pour les dents plus internes, alors pour invalider le corban, il va falloir qu'elles soient beaucoup plus atteintes. Et la Mishnah va nous expliquer. On commence tout de suite. Rita Bar Chitsonot, les incisives externes. Chez Nif Gemu, qui ont été endommagées, c'est-à-dire qu'on est tombé sur les dents et on s'est cassé la dent, de manière où ça se constate. Oh, chez Nigmemu. Alors, le mot Nigmemu est un peu compliqué à comprendre. Concrètement, c'est utilisé dans le chasse, c'est-à-dire que ça a été écrasé, aplati, aplani. Aplani, peut-être c'est le bon mot. Aplani, je pense que ça pourrait correspondre. Là, on parle en fait que la dent, elle a été. Il y a deux interprétations. Le Barthénois et le Tiresol. Selon le Barthénois, on parle que ça a été la dent, elle a été érodée. Vous imaginez bien qu'une dent, on remarque bien, avec l'âge, même moi, ça m'atteint, ça y est, on perd la qualité des dents, elles s'usent, elles ont perdu leur. Elles tranchent moins quand on croque, on remarque qu'elles s'usent. Ça, on ne va pas devenir invalidé, on ne va pas invalider un corban parce que sa dent, elle s'est usée, parce qu'il est. D'accord ? On parle que quand il y a eu un problème. Soit qu'elle a pris un coup, ou soit si elle s'est tellement érodée, elle a tellement diminué, elle a tellement été usée, au point où, alors là, c'est un peu plus délicat, le Barthénois nous précise en fait, qu'on ne remarque plus qu'elle dépasse. Qu'elle dépasse. Je ne sais pas ce que ça implique. Est-ce que c'est dans la hauteur? Est-ce que c'est dans la largeur? J'ai eu du mal à. J'ai pas vu plus d'informations que ce que je vous dis en fait. Il nous dit comme ça. Ni moku velon nishmar mehem ela rochem mehat. Je pense qu'on parle plutôt en fait que ça a été dans la hauteur, qu'elles ont tellement été usées et érodées. Que maintenant, hein, il va même plus rester un tout petit truc qui va dépasser, un tout petit bout de dent qui va dépasser tellement qu'elle a été usée, là ça devient invalidé. Mais donc, dès qu'il va rester une dent, bon, c'est une dent, d'accord, il y en a qui ont des dents plus longues, des dents plus courtes, mais il y a quand même plus haute, plus longue, plus courte, moins haute. Et donc là, cette fois-ci, ça ne va pas invalider le corban, d'accord. Ça c'est Nigmemu, donc elles ont été érodées. Le Tiferet d'Israël a une autre interprétation. Je le retrouve tout de suite, une seconde, on est dans le Lamed He. Shenertechu samuch le shorsham. Je ne sais pas compris ce qu'il veut dire en fait. Venejarak shoresh hachem. Non, c'est le même principe en fait. Ah ben voilà, il me donne donc. Je pensais qu'il y avait deux interprétations. En fait, un, ça complète le Barthénois. Ça vient préciser en fait que ça a été Nigmemu, elle a été aplatie parce qu'elle a été usée dans la hauteur, jusqu'à qu'à la fin, il va rester juste une toute petite racine en bas. D'accord ? Vapnimiot, par contre, quand tout ce qu'on a dit c'était sur les chitsonot, chita va chitsonot, les dents externes, qu'on a dit nivgemu, nivgemu. Mais si c'était apnimiot, les internes, prémolaires et molaires, alors dans ce cas-là, chez Nekou, que si elles ont été arrachées complètement, qu'il n'y a même plus de racines. Voilà pour la première avis de Tanakama, donc qui fait une différence entre les dents externes et les dents internes. Rabbi Hanana ben Antignos Omer, Rabbi Hanana ben Antignos enseigne. En motkin, mina matimot venifnim. Les matimot, je vous ai dit, c'est comme les théomot, les jumelles. Il nous dit, tu sais, tu ne vérifies pas à partir des jumelles. Tu n'intéresses que aux prémolaires qui vont se trouver dans la partie externe, mais pas dans la partie interne. Depuis les jumelles, les fameuses dents qui ont l'air d'être doublées. Alors là-bas, en motkin, mina matimot venifnim, tu ne vérifieras pas depuis les matimot et à l'intérieur. Veaflou et matimot, et même les matimot. C'est-à-dire, en fait, si c'est fait arracher une molaire. Le mouton, c'est faire une molaire plus
plus interne, eh bien, ça ne va pas être invalidé que si... Donc finalement, on se retrouve avec trois zones. Il y a les incisives, il y a la zone un peu du milieu, et la zone plus interne. Les incisives, on est très marmir, même si ça a été cassé, même si ça a été, comme on a dit, érodé et usé. Pour les dents externes plus internes, alors il faut nécessairement arracher, mais sur ça, on aura une différence. Sur le terme d'affirmation, c'est toutes les dents internes qui ont été arrachées, d'accord, de toute la mâchoire, quelle que soit la molaire ou la prémolaire, si elle est arrachée complètement, c'est invalidé. Selon le prénom d'un tignos, il nous met une limite, on nous dit non, c'est que pour la partie externe des molaires, mais pas pour la partie interne des molaires, d'accord. Et la halakha est établie comme tatakaba, pas comme le prénom d'un tignos, et c'est le pour Julius, c'est une journée pleine de slachakolto, c'est là.